Je vous parle en direct de l'autoroute. Voyez donc cette désolation. De nombreux immeubles ont été entièrement détruits, et la route s'est complètement effondrée. Une abondante fumée s'élève de plusieurs bâtiments, et l'on peut constater des incendies ici et là. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau... L'effondrement du plateau du secteur 7, et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute, et qui a provoqué de très importants dégâts dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. Suivant l'avis de la compagnie Shinra, le maire Domino et les autorités de Midgar ont déclaré que la tornade avait été causée par une arme de type inconnu et ont accusé le groupe terroriste Avalanche d'être responsable de cette attaque. N'excluant pas une implication du Wutai malgré la trêve actuellement en cours, ils annoncent vouloir poursuivre leur enquête. Aujourd'hui, Midgar fait face à la plus grande crise de son histoire. Des réacteurs Mako détruits, l'effondrement du plateau du secteur 7, et plus récemment une tornade qui s'est formée sur l'autoroute. J'ai entendu dire qu'il y avait encore eu une explosion. Dans une zone allant du secteur 0 au secteur 2. C'est quand même incroyable tout ce qui se passe en ce moment. Nous poursuivons notre reportage en direct des lieux de la catastrophe. Œuvrant parmi les décombres de l'autoroute, les gardes de la Shinra continuent de rechercher les survivants. Des suspects responsables par un ancien soldat. Selon les rapports, il a une épée broyeuse. Il est probablement en fuite. Je répète, le fugitif est un ancien soldat armé d'une épée broyeuse. Ah. Tiens, filme ça! Emmenez-le là-bas! Ces gens sont-ils des victimes qui ont été secourues? Ah mince! Vite! Tourne la caméra! Excuse-moi, tu veux bien t'occuper de lui? Je reviens tout de suite. Mon ami a juste inhalé trop de Mako. Non mais oh! Thank you.
si on la récupère pas. Fermez vos gueules et cherchez-la. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui se passe? Iris, je suis enfin revenu.